Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. Nous sommes le mercredi 15. J'espère que je vous trouve en pleine forme. Nous allons, comme d'habitude, faire les énergies pour avoir un petit peu comment va se passer cette guidance du 15 juin. Hop, oula, il y en a plein. Alors, l'impératrice qui dit bah, d'hier, qui s'est retournée et l'étoile. Bon, mais comme ça n'a pas été la coupe. Mais l'impératrice est toujours là. Hein. On l'avait hier, hein, l'impératrice. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je crois que c'était hier. Peut-être une naissance. Oh, bah dites donc. Je crois que je suis en vacances, mais on dirait pas. Hein. Je suis toute mollasse aujourd'hui. Allez. À la coupe, le diable, transformation, et le pape, transformation et pape. Alors donc on apprend, on voit une personne qui nous apprend, c'est les traditions, le pape, c'est l'enseignement. Et le diable, eh ben, c'est tout ce qui concerne les addictions. C'est trop l'attachement, trop sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et c'est le changement. Alors, est-ce qu'on doit apprendre à changer quelque chose dans notre vie ou apprendre à changer tout simplement, hein? Alors, donc, on va voir avec... la guidance de ce mercredi. 15 juin. Le pape. La tradition, l'apprentissage, l'enseignement. Ouf, oh, il y aura un contre dans l'air. Et le diable, l'addiction, la jalousie aussi. Bon. Allez. Pour 9-4, c'est parti. 3. Mettre ça comme ça, peut-être. Tout le monde voit bien là, ouais. C'est bon. Alors, 3 aussi là. Et 3 autres. Là aussi. Voilà. Allez. En dos, nous avons... alors, le jardin. Le labyrinthe et les dés. Labyrinthe, dés... on ne sait pas trop quoi faire. Là, on hésite... et on a quand même pas mal de gens autour de nous et de visites. Alors, sur le diable, nous avons la maison. Alors, l'apprentissage avec le pape, la maison, c'est peut-être aussi des constructions. Hein. La loupe, faire attention, se méfier aussi. Les nuages, l'éclaircie, les masques. Les masques en tombent les mains. Ah, une souffrance, un fardeau, une transformation, la zénitude, la maladie aussi, les disputes. Par contre, ça, c'est avec la maladie au milieu. Oh, le soleil, heureusement. Ah, ben voilà. Bon, j'avais eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y avait quand même pas mal de... mais avec le soleil, c'est bon. Je suis un petit peu soulagée, c'est qu'on va quand même dans le bon sens. Alors, donc, si nous avons une maison, donc ça concerne surtout la vie familiale ou la maison familiale, les travaux dans une maison, quelque chose comme ça. Comme on a quand même l'apprentissage avec le pape et tout ce qui est de la tradition, donc peut-être qu'on va parler d'une tradition familiale.
Donc, il faut regarder, on nous dit de regarder bien quelque chose de précis dans cette maison, peut-être. Une éclaircie. Par contre, se tomber, pourquoi les masques? On se fait des idées, peut-être. On n'est pas dans. Entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une divergence. Mais il y a quand même la santé qui est là. Moi, pour moi, je le vois comme une santé. Donc, peut-être. Retourner peut-être dans la réalité de ce qu'on avait quand on était enfant, peut-être aussi, hein, avec le pape, on réapprend à aimer quelque chose, peut-être aussi. Par contre, le fardeau et les discussions négatives, moi, pour moi, avec le soleil, ils s'en vont. Avec le soleil, tout se dégage. Alors peut-être que dans cette maison, il y a eu des problèmes et que d'un coup, eh ben, on prend réalité, on transforme, peut-être des changements. Et le diable, la transformation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme. Cette souffrance qu'on avait là, elle part. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que le fardeau qu'on a eu, on ne l'a plus dû à ce changement. Alors peut-être aussi par rapport au pape, on a appris à se changer soi-même aussi, hein. C'est peut-être pas un changement de quelque chose ou un changement de lieu de vie, mais un changement intérieur. D'où les masques. Alors, est-ce que je vais dans ce sens-là? Il y a quand même pas mal de visites, hein, dans cette maison. Ouais, parce qu'on sait, on n'est pas certain. On se lance dans quelque chose, mais on n'est pas certain. Donc, il y a peut-être eu des déboires dans une maison ou dans la vie familiale. C'est peut-être pas que la maison, mais la vie familiale. Et qu'il faut faire un changement, faut transformer quelque chose dans cette vie. Et avec la santé, on voit qu'il y avait des discussions houleuses, mais il y a quand même du bon. Alors ça rentre quand même dans le. Il y a quand même une éclaircie là-haut aussi, hein. Donc si on se sentait peut-être avec le diable enfermé ou retenu dans quelque chose, on voit que là, j'ai l'impression qu'on respire un peu mieux. C'est l'impression que ça me donne, hein. C'est le ressenti que j'ai. Alors, les couples. Ouais, il y a quelque chose dans ce couple qui fait peut-être une mise au point, quelque chose qu'il faut régler, hein. L'arbre, la sénitude. Voilà, donc on voit bien que là, ça arrive dans le bon. Et là, ça éclaircit aussi. C'est le bien-être. Donc on retrouve un équilibre, on retrouve du bien-être, on retrouve là les masques sur la fidélité. Donc on est un peu plus sincère peut-être. Avec ses ressentis aussi, hein. Parce qu'il y a des fois. On sourit, mais l'intérieur n'y est pas. Hein. En coupe, voilà, avec cette tristesse. En coupe avec cette tristesse. D'où le fait de s'épanouir. Ah ben voilà, je savais bien qu'on arriverait. Avec le trèfle, c'est parfait ça. On a des opportunités, on a des coups de chance, on a. Voilà. Ah, ben là, j'en ai sorti deux, donc je vais. Alors, sur le changement, il y avait le déménagement, l'enfant et les choses qui minent. Donc, on change tout ça. On arrive quand même à avoir de la zénitude. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit de se transformer avec le diable et de réapprendre avec le pape. La nouveauté, donc on se sent à nouveau mieux. Alors, ah ben voilà les disputes. C'était les disputes de cœur. Des discussions qui nous tenaient à cœur. Ouais, peut-être percer l'abcès, hein. Il y a des fois, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et on se sent beaucoup mieux après. Hein. Et sur ce soleil, nous avons les écritures. Enfin, le courrier. Donc un courrier qui nous arrive ou qu'on a envoyé. Et un courrier qui nous fera du bien de toute manière. Et ces transformations qui sont là à nouveau. C'est comme le diable. La protection et comment ça s'appelle, les nuages qui remontent. Et la personne influente, c'est peut-être le pape. Hein. Mais voilà, moi je pensais ça. C'est que c'est un état d'esprit.
Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente, il n'y a rien, mais c'est un état d'esprit. Si vous aviez un petit peu de morosité dans votre vie, hein, quelque chose qui ressemble à ça, dites-vous que avec le couple, on reprend un petit peu les rênes de sa vie. On regarde vraiment à l'intérieur de ce couple, qu'est-ce qui ne va pas. On en discute et on voit que d'être serré et emprisonné, voilà, on va peut-être pouvoir dans une spirale, on voit que là maintenant, la prise de conscience a été là et on s'en va sur quelque chose de beaucoup mieux. On prend conscience qu'il faut couper avec le passé, hein, ça se peut aussi, et que de la transformation, on peut-être un déménagement aussi, hein, qui fait que on prend la vie en plus à cœur, on va dire, hein, et qu'avec un courrier qui nous veut du bien, on arrivera à avoir une sérénité dans son couple, ou dans sa vie, ou dans son union familiale, quoi, tout ce qui concerne la famille. Je vais voir avec l'oracle des miroirs s'il y a une similitude avec ce que je viens de dire. Des fois il n'y a pas, hein, mais bon. Comme il y a plusieurs, plusieurs façons d'interpréter, mais la maison sur ce trèfle, c'est bien. Ouais, le trèfle sur la maison, c'est parfait. On voit qu'on va dans le bon, qu'on va dans la zénitude, qu'on va dans le bien-être. Alors, s'il y avait eu des heurts avant, on se transforme, donc on va dans le bon. Alors, nous avons là la famille, oui, donc c'est bien la maison, hein. C'est bien la maison familiale, ça concerne bien cette maison familiale. Alors, peut-être aussi un problème dans la famille, hein. Il n'y a pas que dans le couple, hein. C'est peut-être un problème des enfants aussi, hein. Mais on voit que tout se règle. La fatalité, donc c'est quelque chose, vous voyez, de passé. On coupe avec son passé. C'est quelque chose qui est un renouveau. Ce qui était passé est fini. Alors, la peine, ça y est, il n'y en a plus. On voit que la maison, voilà, la maison qui revient. Donc, dans la famille, il y a peut-être eu des heurts. Et on voit que, bon, voilà, soit on laisse passer et puis voilà, on passe à autre chose. Soit les disputes, c'est une réconciliation. La loi. Sexualité. Ah bon, ça va. Ça s'est remis. Et on va en sortir une autre, la culpabilité. On s'est senti peut-être coupable d'avoir dit peut-être des choses qu'on ne pensait pas. Ça se peut aussi, hein, de toute manière, dans tout ça, tout le monde y est droit. Hein, et que, on revoit que tout va pour le mieux. Et le cadeau. Là, j'arrêterai là parce que c'est des bonnes cartes et moi, j'aime bien. Et l'homme. Voilà. L'homme, la clairvoyance. On voit un peu mieux. On prend de la distance. Ouais, non, mais c'est ça. S'il y avait eu jalousie, c'est peut-être qu'il y a eu un petit quiproquo. Ça se pourrait. Et dans la jalousie aussi, il y en a pas mal, hein, des quiproquos. Hein. Donc voilà, écoutez, cette guidance se termine bien. Si on avait eu des heurts avec un problème familial, je pense, hein, ou un problème de couple, hein, ça se peut aussi, parce qu'on nous dit quand même de regarder le couple en deux fois. Et donc, mais tout ce que la tristesse qu'on a eue, ou qu'on a subie, est finie. Hein, avec la fatalité, ça se finit de toute manière, et que le calme revient. Donc, voilà. Il y a des fois, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a eu du bas, maintenant c'est du haut, voilà. D'où le diable, la transformation, et le pape qui vous dit de tout simplement revenir à quelque chose de maintenant, de mieux. On a appris les choses, on a appris peut-être comment on allait réagir aussi, et de ce fait, soit on passe l'éponge, soit on revient à une vie à peu près normale. Bon, voilà, c'est bien. J'aime bien les guidances qui se finissent bien. Allez, on ramasse tout ça. On va faire les galets.
beaucoup à ramasser et ça prend du temps. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, les galets, nous allons... 3 galets. Vos questions. Si vous avez des questions, quel que soit le sujet. Et puis, on vous dit... Allez, on va prendre celle-ci parce que je trouve que celles-ci sont plus parlante. Enfin, moi, elle me parle mieux. Je sais pas, mais bon. Hop, oula. Ah ben. Alors, en deuxième, c'était celle-là. En premier, c'était celle-là. Communication, joie. Bon. Ah, c'est peut-être ça, la guidance aussi. Hein. Communication, hein. Et le karma. Je crois que j'en avais déjà eu celle-ci. Et tout est possible. Ah bon, ben voilà. Alors, la communication vous dit... Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. La prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Et c'est ça tout à l'heure quand on avait les hiboux sur la loupe. C'est ça, c'est les discussions. Il faut mettre les discussions à plat. Joie. Merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Prédiction, une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Alors, s'il y a une fête qui se prépare, voilà, tout va bien se passer. Et l'amour vous dit le karma. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, ça c'est un peu le diable en fait, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer à être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Prédiction, la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. D'où le pape ça. Vis-la en conscience. C'est-à-dire que le pape apprend, mais on apprend aussi de nous-mêmes. C'est peut-être ça aussi en relation avec la guidance de tout à l'heure. Bon, ben voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Bon, on se revoit jeudi, je pense. Hein, si j'y mets... Oui, mercredi, jeudi, c'est bien ça. Et puis, donc demain. Et puis, ben, portez-vous bien d'ici là. Likez si vous avez aimé. Et puis, petit pouce, j'aime bien les petits pouces. Allez, une bonne journée. Au revoir. À demain.